Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Spooky's House of Jumpscare. Et je vais re-sauvegarder la partie parce que je le peux, il disait quoi ça? Hop. J'adore le bruit de ce machin, je l'ai déjà dit. Alors je suppose que plus je vais avancer dans ce machin, plus je vais galérer ma race. En tout cas, j'ai trouvé comment mettre le jeu en fenêtré. Hein, c'est pur coup de bol, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis le jeu en fenêtré, ça buggera peut-être un peu moins. Allez, ça doit pas être si dur que ça. Bon, en tout cas, il y a des bruits qui me plaisent pas. L'ambiance est toujours aussi moisie. Il y a eu un petit coup de polish qui a été foutu sur le jeu ou c'est moi? Non, non, il y a bien eu un petit coup de polish qui a été foutu sur le jeu. Je veux peut-être essayer un truc, bougez pas. Voilà. Comme ça, vous aurez l'image du jeu qui est un peu de meilleure qualité. Mais je veux quand même laisser le Pac-Man gagner pour ce coup-là. Attendez, je vais éviter de le toucher, hein. Je vais laisser gagner le Pac-Man. Je veux voir ce que ça fait. Je ne veux pas toucher cette saloperie. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Oh, putain, il est pas très intelligent, hein, le mec qui joue là. Bon, en tout cas, les autres fantômes ne lui font strictement rien. Bon, tu sais quoi? Va te faire foutre. Ça te fait du bien. Voilà, désolé pour ces légères coupures, je suis obligé de le faire, sinon l'écran il bug. Enfin bref, on a assez perdu de temps comme ça. Ah, encore un de ces longs couloirs, comment je suis content. Non, non, le jeu, je confirme, le jeu est bel et bien plus joli en fenêtré, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un jeu qui est prévu pour le fenêtré, dans ce cas-là, pourquoi le lancer en plein écran? Ah, et à chaque fois, Windows 10, parce que oui, je suis sous Windows 10, maintenant on me dit qu'il faut installer Direct Play pour jouer à ce jeu. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous, moi tant qu'il y a Fraps qui tourne dessus, je suis content. 410. Ah, ça y est. Salut. Well, hello there. Are you lost, little one? Bonjour, est-ce que vous êtes perdu, mon petit? This place can help those who are ready, but expect turmoil more than you are used to. Ouais, je peux pas trop vous traduire ça en direct, c'est assez difficile à traduire. This place can help those who are ready, but expect turmoil more than you are used to. More than I am used to. The mask you wear serves its purpose well, but be careful not to lose yourself in it. Put on your mask, be part of something. Ouais. Je sais pas, ça a l'air très. Ok, je sais pas. Je vais essayer toutes les portes. Oui, attends, j'ai déjà fait celle-là. Je peux pas prendre celle-là, je peux prendre celle-là. Ok, il y a cette boussole géante qui me suit. Sinon, pourquoi t'es en 2D, petit chat, hein? Ok, je vais essayer. Je peux prendre que les portes en blanc finalement, donc. Wow, le trip! Ok, je sors comment? Là. Parce que cette salle me donne mal à la tête. Elle fait quoi cette horloge? Bah, tu sais quoi, je vais me barrer. Ok, je m'en fous, allez hop. Je suis ready to see what I'd rather not be. C'est charmant ce coin. Ok, je suis poursuivi par quelque chose. J'aime bien la musique. Elle est très sympa. Bon, ça passe les portes tout seul. Et je prends toujours les mauvais chemins. Si je suis poursuivi par quelque chose, je vais crever comme une merde. Ah non, ça prend les portes tout seul, hein. J'ai rien besoin d'appuyer, c'est cool. Ok,
La musique est très très sympa ici. Si c'est ça le genre d'OST qu'il propose, ça j'aimerais bien écouter, ouais. Il y en a encore pour long et que c'est ça, là. Parce que c'est bon, hein, j'ai vu l'autre côté du miroir, ça va, je gère. J'ai l'impression d'être poursuivi par quelque chose. Je sais pas quoi, mais je dois être poursuivi par quelque chose, à mon avis. En tout cas, les images au mur sont très très jolies, hein. Ça fait très art moderne. En tout cas, les rooms, elles avancent, hein. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Ok, je crois que le jeu, il bug. Ouais, je crois que le jeu, il bug sévère. Ok, je suis revenu dans les salles normales. Oh, une note. Pour survivre dans cette maison, je dois écrire des notes. Je dois faire tout ce qu'un protagoniste central ferait, et j'espère que c'est une de ces histoires. Insérer une obscure référence de film d'horreur que personne ne va connaître et va mal interpréter comme des instructions. Voilà. J'adore ces couloirs monstres étroits, ça me rend pas du tout claustrophobe. Oh putain. Oh merde, c'est lui de nouveau. Ouais, c'est lui de nouveau. Je sais pas pourquoi lui. Parce que lui, j'ai vraiment eu du mal à lui échapper la dernière fois. Ah, va te faire foutre! En plus, ils me foutent bien dans des couloirs où je vois rien. Ah, sérieux. Non, il est chiant celui-là. En plus, je lui ai rien fait, c'est pas moi qui ai foutu ces marionnettes à la flotte. Sérieux. Il y a de la discrimination derrière tout ça. Ah, il va me buter, c'est un des seuls machins qui arrivera à me buter, je vous parie. C'est ça, va te faire foutre. Putain. Il apparaît toujours là où je m'y attends pas. Oh, puis ils me mettent que des salles comme ça maintenant, hein. Je veux dire des salles où la porte n'est pas facilement accessible. Va te faire... Ça va, mec? Mais merde! Wow. Wow. Oh, ça pue. Je m'en fous. C'est bon, je... Game over, merci. Vous pourriez éviter de me le refoutre pour la prochaine partie, s'il vous plaît? Non, parce que celui-là, j'ai vraiment du mal à lui échapper. Oh, mais je m'en fous du score, allez. Allez, vas-y, bouge. Charge le jeu. Allez, je m'en fous. Putain, ces jeux, il faut se retaper, là. Vas-y, allez, allez, allez. Oui, je sais, ça contient du violent et disturbing matériel, je sais, merci. Oui, je connais, Presenter, t'es gentil. Ouais, play, continue, merci. Est-ce que je pourrais éviter de ravoir le mec de Majora's Mask pour me poursuivre? Parce que lui, j'ai vraiment du mal à le gérer, hein, sérieux. Ouais, j'ai des textures qui bug, hein, clairement. Ouais, avant j'ai pas eu le coup de... Bon, moi tant qu'il n'y a pas le mec de Majora's Mask, je suis content. Hein. Moi tant que je peux avancer en regardant devant moi, ça va, j'ai pas trop de mal. C'est ça. Ça marche plus, vos saloperies de jumpscare. Enfin si, ça marche de temps en temps, mais... Ah tiens, j'ai pas eu ça avant. Bon, ok. Gauche. Tout droit. Ok. Gauche. Tout droit. Ok. Gauche. Tout droit.
Gauche, tout droit. Tout droit. Tout droit. Ouais, super. Je me fais chier à prendre des chemins compliqués alors qu'il n'y a rien. Je sais pas pourquoi j'ai re-eu l'autre connard de chez Majora's Mask là, mais. Ouais, c'est bon, au revoir, merci. Well, hello there. Non. Je veux juste avancer. C'est tout ce que je veux faire. Ouais bon, je sais que je risque pas grand chose ici finalement. Il s'est rien passé la dernière fois. Il y a la musique sympa, ça oui. Putain, mais je me retrompe de chemin quoi. Et il se passe pas grand chose hein, dans ces couloirs. Et finalement, on est passé de l'ambiance sympa, de la musique vraiment cool avec un bon petit rythme à le putain de Puppet Master là. Je déteste ce mec. C'est vraiment charmant hein, dans le coin. Si. Parce que je vais de nouveau avoir l'écran qui bug. Je sais pas. Si je pouvais avoir. Si je pouvais éviter d'avoir de nouveau le mec de Majora's Mask. Ça serait cool. En tout cas là j'avance dans les salles et ça va pas trop mal. Je suis sûr que si je reste ici trop longtemps, je vais finir par crever, mais bon. Comme j'ai pas l'intention de rester ici trop longtemps. Ok. Pour l'instant ça va, j'avance pas mal. J'ai toujours pas vu la porte en bois, hein. Oh, je suis à la salle. Ok. Ça y est, on est revenu à cette saloperie. Alors. Ok, il y a toujours pas le mec de chez Majora's Mask. Ok, il a pas décidé de revenir. Tant mieux. Ça me va, parce que je l'aime pas, ce mec. C'est dès que j'entends sa musique, de toute façon, que je sais que je dois m'inquiéter. On va juste aller jusqu'à la salle 500, en espérant que personne ne me fasse chier. Ce dont je doute. Encore, s'il apparaissait maintenant, j'aurais peut-être des chances de lui échapper. Vu que je suis à la salle 437, déjà... Putain, il faut que j'apprenne à prendre mieux ces salles. Mais j'aime pas le mec de Majora's Mask, sérieux. En plus, c'est en plein tiré d'une creepypasta, je suis quasi sûr. Aucune originalité. Ouais, ouais, y a un truc qui me poursuit, je sais pas quoi. Et je m'en fous. Voilà. Je dois à chaque fois attendre que ma stamina elle remonte. Putain, stamina limitée, elle veut pas m'offrir ça, la spooky, là. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais elle veut pas me l'offrir quand même. J'ai toujours peur d'entendre cette putain de musique de Majora's Mask. Sérieux. Ok, droite. Gauche. Ok. Gauche. Ok. Gauche. Gauche. Tout droit. Ok. Alors, gauche, gauche. Tout droit. Gauche, oui. Là, la musique, elle me va, hein. Ça veut dire que j'ai pas le mec que je dois regarder en permanence pour avancer. Ouais, celle-là, je l'avais déjà lue, merci. Le mec, il a quand même mis ça sur un truc à jumpscare, hein. Je veux dire, il a attendu que ça sorte, il a mis la note dessus, il a attendu que ça re-rentre, et ensuite, il a progressé. J'admire sa persévérance. Ok. Qui c'est qui vient de péter dans le micro, là? C'était pas très fin. Comme ma blague. Ok, room 450, jusque-là, tout va bien. Je sais pas si quelque chose me poursuit ou pas, et je m'en fous, moi j'avance. C'est tout. Je regarde juste sur les tables s'il n'y a pas quelque chose à chaque fois. Ici, normalement, il y a des jumpscares qui arrivent, donc je me méfie à chaque fois, dans les petits couloirs comme ça aussi.
Oh bah tiens, l'ambiance a changé. Ben je n'ai toujours pas, je ne suis toujours pas mort, donc il se pourrait que je sois le personnage principal, mais je ne suis pas entièrement sûr. J'espère que je ne suis pas un de ces caractères, enfin de ces personnages secondaires qui laissent des notes pour de l'exposition complètement inutile. J'ai aussi trouvé un étrange ordinateur qui donne une description des monstres. Et on dirait qu'ils sont appelés effectifs. Enfin, on dirait que leur degré d'efficacité est calculé en fonction de combien de personnes ils tuent. T'as remarqué ça que maintenant, toi? T'étais pas le plus brillant de la bande, hein? T'étais pas l'ampoule la plus allumée, hein? Ok. C'était juste pour faire chier, ça, hein? Tac, tac. J'aime pas ces sols. Bon, bah jusque-là ça va, c'est plutôt facile, mais je m'attends à un truc dur. Ça va arriver à tout moment, le truc dur, je le sens. Ne n'interprétez pas mal mes paroles, s'il vous plaît. Non, jusque-là ça va. Il me reste plus que 30 salles. Je pense que c'est jouable s'il n'y a pas ce putain de mec de Majora's Mask. Tant que j'entends pas sa musique, c'est que c'est tout. Putain de merde! Tant que j'entends pas sa musique, disais-je, c'est tout bon. J'aime bien les monstres, ils se présentent quand même. Hein. Ils foutent de la petite musique pour dire qu'ils sont là. C'est sympa de leur part. Ah, ils pourraient aussi nous tuer en silence. Non, non, ils annoncent une petite musique. Ok, il y a quelque chose qui me poursuit là. Clairement. Ok, c'est celui-là. Je vois lequel c'est et je l'aime pas. Je sais pas ce que c'est ce mec. Ouais, celui-là, je sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait que je regarde dans l'ordinateur une fois. Ok, je voyais pas du tout être là. Putain, c'est dégueulasse de me mettre ici. Bon, je suppose qu'il me one-shot pas. Oh putain, j'ai bien fait de pas retourner en arrière, moi. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement ma propre folie? C'est peut-être même pas un monstre, c'est peut-être moi qui deviens juste taré. Mais ça, ça me va. Ça, j'arrive à gérer plus que le mec de Majora's Mask. En fait, quand t'as un monstre qui te plaît pas, t'as qu'à juste recharger la partie, puis t'as des chances qu'on ait un autre. C'est sympa. Bon, par contre, c'est très dur. Putain de merde, mais il m'aime pas, hein. C'est par là, dis-moi que c'est par là. Oui, bah là, il est de plus en plus proche, j'ai l'impression, hein. Ouais, il a l'air d'être de plus en plus proche et ça me plaît pas. Là, il m'en veut. Putain, mais avance! Couillon, va. Room 500, tu peux plus rien contre moi. Ouais, voilà, tu es là. En vie et toujours ici. Tu continues à avancer, n'est-ce pas? La prochaine porte a été fixée pour toi. Alors, amuse-toi et continue à avancer. Espèce de petit... viandeux, live one. Je sais pas ce que ça veut dire. Fléchi. It's out of order. Bon, bah, de toute façon, on va s'arrêter là pour le moment. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori. Tout ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir. Bye. C'est ça ma théorie dans le jeu, en fait. Tous les gens roulent pour le plaisir. Ça c'est très bien, il va au fond le camion là, il aura fini de nous faire chier au moins. L'autoroute, la bienveillante autoroute. Parce que j'aime les...